base d'archives dans Sedge sans comptabilité, il suffit d'aller dans le menu Fichier, Ouvrir. Vous vous placez dans le répertoire où se trouve votre base d'archives, vous la sélectionnez et vous cliquez sur le bouton Ouvrir. Un message vous indique que vous êtes en train d'ouvrir une base d'archives. Vous cliquez sur le bouton OK et vous voici dans votre base d'archives. Dans les anciennes versions de Sedge sans comptabilité, les bases d'archives avaient une extension .arc. Contrairement à aujourd'hui, elles ont une extension .mae. Pour ouvrir ces bases d'archives avec une extension .arc, vous devez aller dans le menu Fichier, Ouvrir, vous placer dans le répertoire où se trouve votre fichier .arc et en bas de l'écran, vous devez choisir tous les fichiers. Vous voyez apparaître votre fichier .arc, vous le sélectionnez et vous cliquez sur Ouvrir. Le même message va apparaître sous vos yeux. Vous répondez OK et vous êtes dans votre base d'archives. Les bases d'archives sont générées sur d'anciennes versions. Il peut donc être nécessaire de convertir ces bases d'archives avant de les ouvrir. Pour convertir une base Sedge sans comptabilité, vous devez aller dans le menu Fichier, Outils, Maintenance. Voilà, c'est maintenant beaucoup plus clair pour vous. Vous pouvez maintenant ouvrir des bases d'archives.